Bullshit, man. Ultima nous a peut-être créés, mais il n'est pas maître de nos destins. Nous avons toujours vécu libres. Qu'importe nos travers et notre ignorance, nous nous battrons pour garder le droit de vivre. Mais Ultima l'a dit lui-même, s'il veut fonder un nouveau monde, c'est pour assurer sa propre survie. Autrement dit, c'est une lutte existentielle entre l'humanité et les dieux pour savoir qui perdurera. Et quel que soit le vainqueur, on peut s'attendre à un avenir difficile. En tout cas, pour les nôtres. Car s'ils gagnent, l'humanité sera perdue. Et même si nous parvenons à triompher, cette liberté engendrera sans doute de nouvelles chaînes pour nous. Ouais. Peut-être bien. Mais nous avons notre volonté. Notre ténacité nous aidera à briser ces chaînes. Nous en sommes capables. Car même si cela prend du temps, même s'il y a un prix à payer, nous sommes unis, et c'est tout ce qui compte. Ah, oh, c'est beau. J'en suis convaincu. Vivre en homme libre, comme des gens normaux, c'est ça le monde dont nous avons rêvé. C'est vrai. Nous devons suivre notre voie. Je suis devant, il y a le cristal juste là-bas. Enfin. Trouvons d'abord comment nous y rendre. Je pourrais toujours voler jusque là-bas. C'est loin, et tu dois être épuisé. Et puis nous n'avons aucune idée de ce qui nous attend là-bas. Tu veux prendre ce risque ? Je suis Phénix. La question ne se pose pas. Ne t'en fais pas, j'y arriverai. C'est notre combat. Ne l'oublie pas. Alors vas-y. Mais s'il te plaît, sois prudent, d'accord? C'est moi qui vais me battre. Je sais, oui. La démo est dispo? Nice. Attendez une minute. Votre objectif est de vaincre Ultima ensemble, non? L'enjeu est capital. Il faut absolument mettre toutes les chances de votre côté. Ifrit? Votre frère m'a dit que certains émissaires dont vous avez absorbé les pouvoirs pouvaient encore se transformer. Est-ce exact? En effet. Mais ils perdaient alors complètement le contrôle de leurs primordiaux. Ah. Je vais vous emmener jusqu'aux provenances, pour que vous puissiez économiser vos forces en vue de la bataille à venir. Rien ne vous y oblige. Joshua a raison. Si vous faites cela, ce serait mettre votre vie en jeu. Je tiendrai. Il le faudra. Ma vie s'est terminée au Dominion. Je ne crains plus la mort. Qui plus est, j'ai un compte à régler avec Ultima. Oh, ce serait malade, John. Il doit payer pour ses méfaits. Ce Bahamut, en plus, fait une attaque, là. Oh, ça va être fou, man. Oh, ça va être fou. Nous vous remercions, Dion. Ça me met le sourire, là. Je suis comme, oh, ça va être malade. Genre. Cette gratitude me bon, semble là. Prématurée. Vengeance! Puis tout le monde va arriver et dire qu'ils veulent se battre ensemble. Ben oui, mais c'est ça, man. C'est le... C'est la mentalité shonen Final Fantasy. Mais il y a quelque chose qui est récurrent n'importe quel Final Fantasy. Le thème de la liberté. C'est un thème qui revient souvent. Il est prêt à y laisser la vie. Cela dit, rien n'est encore joué. Courage, Clive. Je dois parler à Jill. J'espère vraiment qu'elle comprendra.
pom, pom. Tout le monde veut fusionner ensemble. Clive. Je sais pas si on va refusionner avec plaisir? Gilles, par exemple. Oh! Défendresse! Je sais pas pourquoi j'ai grillé. Oh! Je contrôle pas le son de ma voix! Oh! Que j'arrête. Ben non, mais attends une minute, c'est parce que je l'ai pas encore forgé, le truc. Il me faut une langue d'archéosaure. C'est tout? Non. Clairement, j'ai pas forgé l'épée de légende encore. La Guten... Guter... je sais pas quoi, la Guter! Gunther! ...50% de la démo téléchargée. Il me reste 22 minutes. Tabarnouche. Grosse démo. Tu vas peut-être la faire de même. Tu as raison, ça pourrait nous servir. Je suis prêt, Jill. Je dois partir l'affronter. J'espère que tu comprends. Il n'y a pas d'autre solution. Nous avons lutté pour ce moment. Quoi qu'il arrive, n'ayons pas de regrets. Je vais vraiment faire une prière alors. Tu t'en sortiras, pas vrai, Clive? Tu t'en sors toujours. Aïe. Nous regarderons encore la lune ensemble. Je t'attendrai. J'espère que ça finit pas comme Final Fantasy XV, man. Sinon, ça va être décollissant. Ça va vraiment être décollissant. Ah, si, les quêtes ont popé, les gars. Oh, les quêtes ont toutes popé. Oh! Oh, il y en a tellement! Oh, fuck off! Avez-vous vu ça? Oh! Un total de 15. Oh, s'en fout! Oh, les enfoirés. Eh, pour vrai, c'est vraiment des enfoirés. Salut, Kradai, ça va bien? J'ai deux quêtes là-dessus. Viviane qui me demande un service. Ça doit être du sérieux. Je suis vraiment curieux de voir qu'est-ce qu'ils peuvent donner à la fin du jeu qui fait du sens. Ça se peut pas, j'en ai tout. Salut Kradai, ça va bien? Qu'est-ce qu'il y a, Talgor? Chez moi, Ultima, c'est des croquettes pour animaux. Oh my god, les gars. Oh my god, il y a de la quête. Sont sérieux à la fin du jour. Ouais, tout pop. Ils ont pas honte, hein. Ils ont pas honte. C'est le 15 heures de plus qui te manquait. Ah, ça doit être ça. Tiens, te revoilà. Clive, mon garçon. Rutherford m'a tout raconté. Tu nous as été d'une grande aide. Ne t'en fais pas, ton projet en valait bien la peine. En parlant de ça, la situation au Verponant semble encore pire que je ne le craignais. Est-ce aussi grave que ce que dit Rosa? D'après ce que j'ai vu en Dalmeki et à Sandbreak, tu avais raison de t'inquiéter. Alors nous y sommes. C'est la fin de l'ordre établi. J'espérais que les pouvoirs en place, qu'ils soient politiques ou militaires, pourraient atténuer cette catastrophe. Hélas, les puissants de ce monde sont démunis face à la violence qui... Je voudrais agir avant que notre monde atteigne un point de non-retour. Que comptes-tu faire exactement? Eh bien... D'après les informations que j'ai pu rassembler, il s'agit des pénuries alimentaires et de la mauvaise conduite des militaires de Baran. Comme tu as pu le voir, ces deux phénomènes poussent même les gens ordinaires à la violence. Il y a quelques endroits où le peuple s'est organisé pour pallier. On ne peut plus compter sur les États et leurs instincts. Il nous faut de vrais meneurs d'hommes, capables d'agir... D'accord, mais par où ? Par le problème des rébellions de soldats, pardi. C'est la première chose à faire pour restaurer un semblant d'ordre dans notre société. Et en plus, j'ai un plan pour régler ça. Je voudrais demander de l'aide au maréchal Havel. Eugen Havel, de l'armée d'Almec. Oui,
Quoi qu'il en soit, je lui ai déjà dit que j'avais besoin de lui. Et c'est là... Comment ça ? Vois-tu, il est d'accord pour m'aider, mais... C'est un homme d'une droiture qui tient presque de la rive. J'ai essayé de le convaincre. Je suis donc contraint de t'envoyer en mission. Oh mon Dieu ! Compris. Tant que le chaos règne, nous ne pouvons construire un monde meilleur. Je veux bien aller parler au maréchal Avet. Merci. Je vais me mettre en route pendant ce... Oh mon Dieu ! Oh my God ! C'est... Vas-y, c'est vomitif. Oh my God. Ils ont tellement abusé, c'est incroyable. Ah, Clive. Est-ce que tout va bien ? C'est vrai, j'ai reçu un rapport de Cyril. Les ailes ardentes ont trouvé une lettre de père et... Un testament ? Oulou. Il était dans la crypte du château. Comme le gouvernement d'occupation est en déroute ces derniers temps, les ailes ardentes ont eu l'occasion de s'y avancer. Et en fouillant dans la crypte... Ils ont trouvé une lettre qui nous... C'est vraiment un miracle qu'elle est... Cyril m'a donné rendez-vous à Tabor pour en parler. J'étais en train de me demander si... Bien sûr, moi aussi. Je veux savoir ce qu'il avait à nous... Parfait. Youhou ! Mais là, l'affaire que j'aime le plus, est-ce que c'est là ? Arrête, y a pas de nouvelle chasse ? Non, c'est pas possible. Qui, lui ? Ah oui, ok, Sid, je la replace. Tu aurais une minute ? Que se passe-t-il ? La vendeuse d'esclaves à qui j'appartenais. Elle m'a fait parvenir un colis avec une lettre. Et dans le colis, il y avait les registres d'une prison de Valeud. Des soldats pourvoyeurs y étaient détenus. Comment a-t-elle mis la main dessus ? Elle a toujours su où dénicher sa marchandise. Et la cerise sur le gâteau, c'est que cet endroit est maintenant désaffecté. On n'y trouve plus qu'éthers et pourvoyeurs. Elle compte aussi. Mais là, je... On va aller libérer les esclaves, let's go! Tu fais deux mecs, y'a un gars qui veut de quoi à chaque fois? Un service. Ça dépend pourquoi. Un pourvoyeur qu'on a récemment libéré souhaiterait rejoindre les lames de pierre. Comme tu le sais, notre tâche n'est pas des plus aisées. On doit donc faire passer un test. Je comprends, mais... Eh bien, parce qu'il veut être éclaireur. Et comme nous n'avons pas de groupe d'éclaireurs chez les lames de pierre, chaque section agit de son côté. Pour ce test, je voulais une personne spécialisée, mais... Comme tu es régulièrement en vadrouille un peu partout avec lui, je me disais que ce serait bien de pouvoir avoir ton avis en... Ça me semble logique. Donc... Il y a même un gars qui existe pas dans le jeu. Il y a sa quête secondaire à la fin du jeu. En Castel. Il n'avait pas plus loin pour lui faire passer son test. Ouais, merci de le souligner. Là. J'ai lu ta lettre, Viviane. Si tu as besoin de mon aide pour trouver un c'est livre, là où jamais, moi aussi, je pense. J'apprécie ton jet. Mettre la main sur cet ouvrage ne sera pas chose facile. Quand bien même. D'ordinaire, permets-moi de te rendre l'appareil. C'est gentil. Je crains malheureusement que cela relève. Plus personne ne sait où le trouver de nos jours. Quoique... Harpocrate en saura peut-être plus que moi. Très bien. Je sais que c'est obstiné, mais j'ai... Ok. C'est un peu fou. Je trouve que c'est un peu épais parce que honnêtement, mettons là, admettons que tu mets... Il y a combien de quêtes? Il y en avait au moins 6? Tu mets 6 quêtes secondaires en même temps? Genre là, c'est sûr que le joueur va faire le tour. Là, il passe 6 histoires en même temps. Jamais tu retiens ça. Genre, t'es comme... Tu vas juste au point vert. Ok, prochain point vert. Prochain arrêt. Ah, avis, petit gars. Voilà, t'as pas d'autre affaire. C'est la fin du monde. Là. C'est quoi qu'ils veulent, les enfants? Là? Ah, oh, Sid. Tu tombes bien. Genre? Pourquoi? Genre, c'est vous ça, vous avez encore mis en pièce une des inventions de Mid? Mais non, enfin! On est inquiets pour Mlle Mid. Ah, oh, elle est bizarre en ce moment. Elle écoute pas trop ce qu'on dit. Elle a la tête dans les rouages. Ça fait du monde, est-ce? Les nuages, c'est ce que j'ai. Et depuis quand j'ai. C'est... D'accord. C'est parti. C'est... Ah, elle est un peu distraite. Bah ouais. Colasse. Salut Mirali, allô de Berlin, Guten Tag! J'entends pas, je suis juste réveillé dans la nuit, puis j'avais soif et je voulais faire un coucou, bonne nuit tout le monde!
Bonne nuit. As-tu trouvé des Tylenol pour notre prof? Il a dit Guten Tag. L'allemand! Mid, qu'est-ce que tu as à moi? Ah, mais oui, j'ai trouvé. Ça va marcher cette fois, j'en suis... Attends, tu as bien dit voler? De quoi on parle exactement, là? Je veux faire voler l'entreprise. J'y réfléchis depuis notre retour des Shindrak. Tu sais que les enfants s'inquiétaient pour toi. C'est une quête secondaire, ça? Je pensais que tu avais le cafard. Et pourquoi est-ce que tout ça te tracassait exactement? Tu peux m'en dire plus? Voilà. L'entreprise est un navire incroyablement rapide, mais ça reste un bateau. Si l'entreprise pouvait voler comme le faisaient les aéronefs des temps anciens, j'aurais pu vous rejoindre bien plus vite à Shindrak. Nous n'avons pas de magie capable de faire voler les aéronefs de nos jours. Mais je ne veux pas m'avouer vaincue pour... Je crois que j'ai trouvé une approche qui pourrait fonctionner, en se servant du moteur à mitril. Reste à vérifier ma théorie. Ces aéronefs me font rêver depuis que je suis enfant. Et les événements récents m'ont décidé à... Je vais donc commencer par faire un test avec un modèle réduit. Et laisse-moi deviner. Oh, tu serais d'accord pour m'aider? Si tu pouvais me donner un coup de main pour trouver les matériaux, tu serais un amour. D'abord, il me faut de l'huile de graisse. Ensuite, pour... ça... Commençons par aller voir les lames de pierre. Quand le jeu il rentre dans les détails là, de l'huile, de je sais pas quoi, là, pis là, ça devient comme une genre de... Ça devient trop nerd, c'est là que je décroche. Tu sais, grâce à ton livre, les enfants redoublent. Si t'en haut. Si je viens de comprendre quoi, t'as compris quoi? Ça... C'est pour compléter les décorations, oui! Exactement. Il ne faut pas qu'on les oublie. Sid... Oui, bien. Il y a de la réputation aussi. Salut Triaxman, ça va bien? Disparu, mais pas oublié. Oui, toi, numéro 1. Il y a un coffre, ça, depuis le début, je l'ai pas vu. Ciel. Imagine s'il retombait. Ne parle pas de malheur. Ils passent tous leur journée à regarder ce ciel de malheur, et pour l'instant, personne. Il veut tirer de moi, lui? Et tout le monde regarde ce ciel de malheur? C'est la fin du monde! Mais en même temps, Gab, si tu fais toutes les... Non, attends une minute, mon chien, il y a une quête? C'est quelle quête, ça? Quelque chose te tracasse. Qu'y a-t-il? Je me demande qui t'a mis cette chose à la patte. C'est Sid. Il lui a mis peu après l'avoir recueilli. En quel honneur? Vous n'étiez donc pas au courant de ça? Sid avait remarqué que Talgor n'arrêtait pas de ronger cet endroit de sa patte. Il lui a donc mis ça pour qu'il cesse au plus vite de se meurtrir. Il avait du chagrin? En effet, et un gros. Harpocrate disait d'ailleurs que ces chiens-là supportent mal de perdre si jeune leur maître. Vous savez, Clive, vous avez su gagner sa confiance. Vous perdre a dû être un déchirement pour lui. Sid ne cessait de lui dire « Oui, je t'enlèverai ce truc, mais trouve ce que tu cherches d'abord. » Je crois bien que ce qu'il cherchait, c'était vous. Navré, Talgor, tu as vraiment dû trouver le temps long. On devrait peut-être t'enlever ça. Il n'a pas l'air de vouloir qu'on lui ôte. Possible. Tu préfères le garder en mémoire de Sid, à vous. Tu veux qu'on aille se promener? Rapide, dis donc. Il vous apprécie plus que quiconque, Madame Caron. Ah, ça c'est normal. Vous avez fait beaucoup pour lui. Oui. Le chien de quête secondaire. Bon. Heureusement que nous pouvons toujours compter sur Oh, intéressant, c'est tout ce que Fenray va dire à l'ouverture de la démo. Je suis content qu'il y ait encore des quêtes comme ça, j'ai pas manqué la fin puis le moment. Écoute, bon point. Faudrait juste finir le jeu à soir, là. Je m'enligne pour une heure de quête secondaire, je pense.
Quant à... Les moissonneurs des savoirs interdits. Une coterie qui s'est octroyé le droit de décider ce qu'il convient de cacher aux yeux du monde. Nul doute qu'un livre comme le Tiers Regard, qui traite de la vérité sur les pourvoyeurs, est en leur possession. Après tout, l'histoire qu'il relate pourrait renverser l'ordre établi, si assez de gens lui accordaient crédit. Comprends bien qu'il ne s'agit que de oui dire. Je n'ai personnellement jamais effeuillé les pages de cet ouvrage. Je suis maintenant davantage préoccupé par ce groupe secret dont tu me révèles l'existence. Ils gardent sous clé un bon nombre de livres au potentiel détonant. Ils ont même probablement déjà dispersé les cendres de certains d'entre eux pour oblitérer à jamais le savoir qu'ils contiennent. Ce serait donc à cause d'eux que Viviane a fait chou blanc jusqu'ici. Lorsque l'odeur du mystère se marie à celle de l'encre et du parchemin, les exécuteurs ne sont jamais loin. J'ai du mal à comprendre. Qu'ont-ils à gagner en agissant de la sorte ? Ah, c'est là toute la question. Personne ne saurait percer le voile qui masque leurs activités, entourés de secrets comme ils y sont-ils. Qui les dirige ? J'ai bien peur que seuls les exécuteurs connaissent la réponse à... En somme, mes recherches commencent mal. Viviane m'avait bien prévenu qu'il ne traînerait pas dans la première étagère venue. Pas dans les nôtres, non. Si les rumeurs au sujet des exécuteurs sont rares dans le Verponant, elles sont ailleurs presque inexistantes. Avec un peu de chance, leurs mains chapardeuses ont épargné le gris levant. Clive, je pense que tu devrais rendre visite à un de mes amis. Il s'agit d'une vieille connaissance qui habite à Garnacourt, dans la dernière bâtisse au fond du hameau. Enfin, aux dernières nouvelles, tout du moins. Quand bien même, je te suggère de suivre cette piste. Qui plus... Merci, moi. Ok. Mais on est d'accord, il y a pas de nouvelle chance. Ça me rend fou. Il y a aucune nouvelle chance. Pour vrai, je vais avoir... deux heures de quête secondaire, tu vois ça? Alors, je fais un effort. Attends. Et si... Or, il y a... Mais j'ai un très grand engouement pour Pikmin plus que pour Mario. T'es un fucké. Ouais, tu vas pas bien. Ah, mais c'est pas normal. Ah, attends une minute. Ça, je l'ai pas fait. Ça, c'est... Attends une minute. L'autre, c'est... Grisconde. Ok. Ah, oh, bonjour, Sid. Est-ce que je peux t'aider? En fait, je... Attends une... Et oui, mais... je vais... Là, y a plus rien à faire ici. Là, on peut bouger. Est-ce qu'on a une quête là? On dirait bien. Griscor. Ça, c'est la maison de son ami, c'est ça? Griscorne. Forêt de non-retour. Ça c'est... Hey, what the fuck? Oh! Les remparts. Puis des demoiselles. Essaye-le. C'est là, faut que j'aille. Mais non, mais attends une minute, j'ai déjà été là. C'est pas là que je me suis fighté contre Pandémonium. Non, c'est là que je me suis fighté contre Pandémonium. C'est pas ce que je cherche.
tourbière. Ah, oh, c'est là. Ah, oh, ça doit être là. Ah, oh, le fight doit être là. Ok. Parfait. Ça télécharge toujours de ton côté? Damn, bro. Ça va être le truc en face. Non, il est dans la ville. De quoi? Le gobelin, là? Le gobelin doit être dans la ville. Salut, Enox. En haut, là. Ben là... Oui, ben en tout cas, merci de me le dire, mais... Je pense que je l'ai retrouvé. Monte l'échelle. C'était-tu là qu'on montait l'échelle? Ah, c'est ça. Où tu es, je l'ai trouvé. Tu joues au jeu? Un gobelin ici. Comment est-il venu au Gris-le-Vent? Mais non, mais c'est pas ça, je voulais. Non! Il m'a kill 5 fois! Ah, oh, j'ai pas acheté de potion! À moi, Titan! Yo, j'ai fait tellement rien. Ça, c'est bon non plus. Je choisis tes sous. Je suis en train de le démolir, il est pas très dangereux. T'existe pas! J'ai essayé Odin aussi. J'ai un petit peu décollé. GG, tu m'as vengé. Oh, le corps primitif! Ton périple s'arrête ici. Là, par contre, ce qui me fait peur, c'est que l'autre, le dinosaure, je sais pas trop quoi, là, j'ai pas racheté de potion. Il n'y a pas de magasin ailleurs, je pense. Bon, ben oui, je vais revenir ici. On l'a tellement décollissé, gars. C'est impressionnant. On l'a décollissé. Bonjour, Clive. Alors, qu'est-ce que vous cherchez? Excellent choix. Le compte y est. Compte y est. Excellent choix. Ah, le truc est en rupture de stock. Come on. Je ne veux pas perdre un client. Vous savez, on n'est jamais trop prudent. Allez rejoindre Talgor. Je vous interdis de mourir. Ah, ok, d'abord, madame. Pardon. Ah non, je pense trop loin. Je pense qu'il faut prendre le téléporteur en bas. Ah, Griscorn, il y a un endroit qui est bloqué. Ça doit être là.
Peut-être pas, peut-être c'est une quête. Aïe 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 aïe. C'est mieux d'être impressionnant les 4 secondaires. C'est mieux d'avoir du bon loot là. Là, on est d'accord, il y a un fight. Ah oui, il y a un fight. Sois prudente. Yes. Ah oui, c'est lui. Parfait, good. T'as l'impression d'avoir commencé le jeu pour finir le jeu, pour vrai? Dis-en pas plus. Voici le maître des lieux. L'accueil ne semble pas beaucoup chaleureux. Oh, le petit con. Ça devrait être bon, là. Fuck, ça fait chier, cette attaque-là, c'est toujours du crush. J'aurais dû genre utiliser ma barre de... Bonsoir. Ah, il est résistant, le salaud! Oh, 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 que c'est beau! Oh! Oh, comment je l'ai eu! Je le décalisse. À droite, Titan. Je le démolis. Je le démolis, il existe pas. Il est niveau 40, je suis 46. T'existe pas, man. Sorry. Tremble. Mais là, on a fini le tableau d'abord. On a fini le tableau de chasse. Ah, c'est triste, on y en a plus rien à chasser après. T'inquiète, ce jeu, c'est le premier jeu que je joue où j'ai vraiment le feeling de vraiment taper le mob. Ben oui, c'est ça, genre le premier Final Fantasy. Ne gênera plus personne. Excellent, GG. Pour vrai, c'était du beau travail. Hein. Là, techniquement, je pense qu'on a tout pour faire l'épée. Je suis pas sûr, mais je pense qu'on a tout. Parce que, il me semble, j'ai vu ça, le corps, la langue de je sais pas trop quoi, là. Archéosaure. T'as tout ce qu'il faut? C'est pourquoi? Ah, je l'ai pas. Ah ouais! Il manque ça! Damn! Mais je peux me faire ça! Mais là, what the fuck, je fais-tu la ceinture? Parce que là, la ceinture va utiliser un des oricalques. Mais là, c'était-tu dead?
Attends! Oui, quoi? Le problème, c'est que j'ai déjà fait le bracelet. Bon, à plus tard. Est-ce que c'est laid? Aïe, ça va pas. Peut-être qu'il y a des ressources qui sont cachées quelque part dans le jeu, puis je sais pas son. Je suis éclaté, je viens de voir que finir des sidequests peut en débloquer d'autres. Je vais dealer avec ça demain et finir le jeu en fin de semaine. Oh oh. Amen. 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 C'est chouette. C'est chouette de mon côté, mais j'ai envie de finir en soir ou demain en début de stream. Ça me fait peur. Ça me fait peur, gars. C'est peut-être plus que 5 quests. Garnacourt semble être à l'abandon. Bien. Trouvons ce fameux livre maintenant. Un rapport militaire bas le doigt. Il y en a pour tous les goûts ici. Je n'en reviens pas. La vérité serait dans ces pages. Je m'en soucierai une fois rentré au repère. Ouais, t'as à la fois toutes les sidequests. Un visiteur à Garnacourt. Je réfléchisse. Curieux. Dis-moi voir, étranger. Tu n'espères tout de même pas repartir les mains pleines. Je ne vois pas où est le problème. À moins que je n'aie affaire à un exécuteur, bien sûr. Ah, tu connais notre existence. Dans ce cas, je ferai court. Remets-moi le livre que tu as volé et sans faire d'histoire. Et que voulez-vous en faire? Ce n'est pas moi qui en déciderai. Mais quoi qu'il arrive, ces pages ne verront plus jamais la lumière du jour. Malheureusement pour vous, son contenu intéresse ceux qui m'envoient. Je crains donc qu'il ne me faille refuser. Regrettable. Okay, c'est beaucoup, oui. C'est énorme. Nous te l'arracherons donc des mains. Avec... Ah ouais, viens-t'en. On va te faire mal. Ouais. Genre, je vais te sacrer une volée, qu'est-ce que c'est ça, là? Des pertes. C'est vous qui vous apprêtez à en essuyer. Let's go! C'est pas que du blabla. C'est pas que du blabla. Le combat et tout, exactement. Genre. Mais ça va quand même vite. Moi, j'ai calculé, là. Ça peut prendre une heure, des fois. Oh, la résistance! Non, voyez, les ailes sont trop grosses. C'est moi qui ai mal joué. Bonne nuit, Volal. Faites bon rêve. Merci beaucoup d'être passé, mon homme. Bah, j'ai tué tout le monde.
Faudrait vraiment que je répartisse mes points de compétence d'une autre façon. Impressionnant. De toute évidence, la Force ne nous sera d'aucun secours contre toi. Et d'abord, pourquoi est-ce que vous voulez ce livre ? Le tiers regard dépeint l'humanité dans toute sa jalousie et toute son avarice. Il narre ce honteux tournant de notre histoire, quand la majorité des faibles s'est alliée contre la minorité des puissants. Que penses-tu de la façon dont il interprète l'histoire ? Te paraît-elle juste ? Aucune idée. Aucune idée. Tu philosophes moins bien que tu ne croises le faire. Permets-moi de répondre à ta place. Il n'y a pas de juste interprétation à l'histoire. Ce n'est rien de plus qu'une suite d'événements. N'importe qui peut se servir d'eux pour tisser une fresque et y voir le destin à l'œuvre. Ainsi, on convainc les foules d'une vérité de la même façon que l'on s'en convainc soi-même. Et cette vérité ne s'impose que par le nombre de personnes qui y croient. Reste à savoir quelle est la vôtre. Nous, les exécuteurs, voulons simplement empêcher l'homme de se faire du mal. Car toute vérité n'est pas bonne à dire. Nous effaçons donc celles qui pourraient leur causer du tort. C'est aussi simple que cela. Tu peux garder le livre, ou l'emprunter pour un temps, devrais-je dire. Car nous nous reverrons sûrement un jour, étranger. Le monde est plus petit qu'on ne le croit. Reste où tu es. Aussi insaisissable que mystérieux, ces exécuteurs. Rapportons ce livre à Viviane, avant que je ne recroise la route de ces illuminés. Intriguant. Te voilà. On fonce, Ambroisie. Une chance qu'on n'est pas sur Elden Ring, hein. Sur Elden Ring, je pense que j'aurais sacré, les gars. Je pense que j'aurais sacré. Bon, ça m'aurait fait déconnecter de ma game. Attention. Allez plus haut, s'il vous plaît. Il reste 1h15 de vidéo de Movie Cut, donc c'est beaucoup plus. Je vais continuer à pied. J'aime le jeu, y a pas de problème. Ce doit être l'orphelinat. Religable, ouais, mais là, j'espère que cette liste y est encore. Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'on fait, c'est, je comprends pas, vous voulez que je tire la plug, genre, je comprends pas. 3 a.m. Non, mais genre, c'est ça que j'ai dit, c'est sûr que à une heure, j'arrête. Ou peut-être avant, genre, si je me rends compte qu'il y a plus d'autres quêtes secondaires possibles. Et au pire... Avant de tout casser, voyons s'il n'y a pas une autre entrée. Demain, je fais la fin du jeu, puis je commence un petit Mario ou un Pikmin, je sais pas. Me casse pas la tête, là. Il n'avait même pas droit. Tu parles d'un entraînement. C'est plutôt de la torture. Herman n'exagérait pas. Je me demande comment il a survécu. Cette lettre vient du directeur de l'établissement. S'est-il vraiment laissé tuer par les pensionnaires ? Cherchons l'arbre dont il parle. T'allais-tu faire de quoi de plus demain? Démo Pikmin 4? Ouais, je préfère la démo Pikmin 4. Je pourrais terminer le jeu. Vu que c'est 1h30 de cinématique, vous me dites, le combat final plus cinématique? Je sais pas. Ouais, oui, je m'étais dit que ça allait être une semaine de Final Fantasy XVI. Ça change pas grand-chose. On se sépare en trois. Ce doit être cet arbre. S'il a mis son plan à exécution, il doit être enterré ici. Regardons entre les racines. Mais il est juste 22h? Bon, à présentement, il est 22h. Voyons voir. La liste est si longue. Il
Ils sont tous morts dans des conditions épouvantables. Et si jeunes. Mais le directeur de l'orphelinat ne semble pas être enterré ici. Ah shit, man. Zombie! J'explique. Zombie magique! Cet endroit est maudit. Comme ça, dans ce sens-là, ça va être parfait. Que je comprends bien. Excellent. Exactement la démo de Pikmin 4 et 20 heures. C'est le jeu intégral qu'on drop. Oups. Ce serait niaiseux. Ça serait vraiment têteux. Asti, m'as-tu le faire? À chaque fois, je dis, je vais mettre des points dans compétences. Je le fais jamais. Là, j'ai 7000 points de compétences. Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Ça, c'est amélioré. Ça, c'est amélioré. Ça, ça pourrait être amélioré. Je pourrais mettre cette attaque-là aussi de Ramu. Il manque 100. Regardez ça, les gars. Complètement fou. Quoi? Ah, c'est 5000. Je crois que j'ai pas assez. Pas assez. Fuck! Je pensais mettre l'attaque électrique, genre. Tu es prête? On y va à fond. Doris doit m'attendre au geôle de Balmung. Rocher, si je veux la retrouver, je dois me diriger vers le nord de la forteresse au corbeau. Je préfère l'attaque de glace qui brise la posture. Stagger. Je préfère Stagger avec l'attaque de glace. Sur Bam. Bonne nuit tout le monde, tu vas te coucher, Gab. Bonne nuit à toi, faites beaux rêves. Merci beaucoup d'être passé. À demain, peut-être. À demain, peut-être, si on est rendu à la même place. Tu peux te reposer, ma belle. Ma journée est longue. Tout s'est passé sans accroc. Un voyage sans encombre, oui. Ce ne sera pas pareil à l'intérieur. J'ai jeté un œil et c'est bourré d'éthériques. Sans doute ceux que les gardes ont abandonnés à leur sort. Autant dire que dans ces conditions, je suis pessimiste pour Chadwick. Attends, mais de quelle affaire, Fire 2? Pas si vite. T'es en train de me dire que la démo est plus que 2 heures? Genre, tu fais qu'est-ce que tu veux? T'as 1500 trubidules?
Avec une telle concentration de l'éther, reste-t-il des pourvoyeurs? Je l'espère. S'il y a encore des survivants ici, il doit y avoir des indices pour mes manuels. Ah, c'est le sac magique. Adieu! Ah, les pouvoirs de Ifrit. Cet endroit n'était pas une simple prison. La créature se terre peut-être encore à l'intérieur. Il faudrait un spa. Tabarnouche, c'est le corps au complet, ça. Oui, je peux te montrer. En gros, c'est... ça, c'est les pouvoirs de... Ça, c'est les pouvoirs de Ifrit au milieu. Moi, j'y prends pas, eux autres. Le truc que tu dashes et tout, genre que t'as des... Je trouvais ça ordinaire. Je préfère y aller avec le fameux coup de poing. Il recharge vraiment vite. Sinon, l'attaque de Phoenix, quand même pas pire, ça redonne de la vie. Sinon, ça ressemble à ça. Mal aux genoux, mal aux hernies, mal à mon choix, mal à mon épaule. Tabarnouche. Oui, ça va pas pantoute. C'est nul ce combat-là, genre. Genre pour vrai, le jeu il. Le jeu il brille pas quand c'est des petits espaces. Faut que ça soit plus gros que ça. Sinon c'est dégueulasse. C'était un entraînement militaire. Les pourvoyeurs étaient des outils jetables. T'es rendu dans Elden Ring. C'est pour ça qu'ils emprisonnaient ces. Ouais, j'aime pas l'attaque. Même si c'est invincible, je trouve que ça se contrôle tout croche. Je vise vraiment les DPS. Les pourvoyeurs lui servaient de repas. Âmes qui vivent à cet étage. Mais j'en sais désormais plus sur ces lieux. Je devrais aller faire le point avec Doris. C'est tout ? J'utilise seulement l'ulti de Bahamut. Ouais, pas mal. Non, mais je comprends pas comment je fais pour aller. J'ai battu Rykor, Raiden, Rennala, puis je viens de rentrer dans Nokrom, la cité éternelle. Ça, c'est souterrain, ça. Nokrom. Ça doit me rappeler. Y'a-tu une porte? Qu'est-ce que c'est quoi cette affaire-là? Niveau 81, ça progresse bien. Ben oui, c'est sûr que 81, c'est pas plus. T'es à veille de... Ben voyons. Je comprends pas où on doit passer. C'est au milieu? Genre là? Ah! Tout est sombre comme le cul! 81, t'es à veille de mettre un. T'es à veille de. D'avoir un build là où tu mélanges genre force dex ou une autre affaire. Là. Oh, qu'est-ce qu'il fait là? Et on se fait chier là avec eux autres. Mais non, mais c'est quoi ça? Il a explosé. Fait. Y'en reste un? Arrête.
Non. Il est possible que je puisse l'utiliser en bas. C'est une clé. Ben là, ça sent le boss fight. Ça sent le boss fight. Si je capote, ouais. Draconique. C'est vraiment là qu'il fallait. Parfait. Hein? C'est un coffre. C'était pas là qu'il fallait. Je savais pas que j'avais besoin de Pikmin dans ma vie avant la démo, mais maudit que j'ai besoin de Pikmin dans ma vie. Genre le gars. On dirait qu'il fait une publicité, genre, on dirait que le Nintendo, il paye pour écrire ça dans le chat. Je savais pas que j'avais besoin de Pikmin dans ma vie, mais j'ai besoin de Pikmin dans ma vie. Oui, je suis complètement sain, je mange mes légumes et tout, chaque jour. J'ai besoin de Pikmin. Puis Nintendo relâcher ma famille. C'est ça. Puis si Nintendo pourrait juste comme redonner ma famille, puis arrêter de les prendre en otage, tout irait bien. Maintenant que c'est ouvert, il faut y aller. Non. J'ai vraiment rêvé. Quoi, ça, c'est J'entends un enfant. Une voix. Elle n'est pas loin. C'est un enfant? Ah non, c'est une petite vieille. Ah non, c'est un enfant. Oh shit, c'est un enfant avec des cheveux blancs. Qui êtes-vous? Est-ce que tu vas bien? Il y avait des gardes. Mais ils sont devenus fous. Ils sont transformés. Les autres gens. Oh. Je vois. Si. Oui, mais c'était la seule survivante. Il faut la ramener au repère. Tu es prête? Oui, on peut y aller. Pouvez-vous juste cuire la nourriture, s'il vous plaît? Parfait. Oh, Uber Eats, instruction. Oui, instruction. Pouvez-vous juste faire cuire la bouffe, s'il vous plaît? La deux fois qu'on commande, c'est froid. Pouvez-vous juste cuire la bouffe? Je dois trouver l'entrée et m'en débarrasser. C'est pas bon. Genre, moi et Catherine, on se commande des pita gyro. On se commande des pita gyro aux Belles Provinces, puis la dernière fois qu'on commande, genre les pains étaient pas cuits, genre c'était comme froid, genre je sais pas comment expliquer, c'était weird, tu sais. Tu sais, genre à chaque fois tu peux mettre de quoi sur un. Je sais pas, là, tu peux donner instruction, mettons, sur qu'est-ce que tu veux dans ta bouffe. J'ai dit, fais juste écrire, pouvez-vous juste cuire la bouffe, s'il vous plaît? Pouvez-vous juste cuire la bouffe? Comment je fais pour y aller? Est-ce que c'est pas clair cette affaire-là? Ouais, c'est un behemoth, ça. Oh, il est tellement gros! C'est où qu'il faut aller? Je comprends rien, man. Je comprends. Fuck on. De cette place-là. Je tourne en rond comme un épée. Ah, c'est là! C'est brisé, là. Ok, parfait. Hein? C'est une chasse? Ben, je le prends. C'est toi qui es responsable du sort au pourvoyeur. Je vais te régler. Oh, le doublé cette attaque-là, là. Viens à moi. C'est terminé.
on voit rien! Pourquoi ça tourne de même? Ah, c'est que t'as rien compris. C'est parfait, ça. Est-ce que c'est bon, cette attaque-là? À moi, la terre! À lui! Oh, oh, oh. Ça va pas. Oh, coup de grâce. Easy. Un quoi 800, ok. Oh mais nice. Chaîne pour bête. Cute. Ça me fait rire, il était froid, pas eu le temps de dégeler au complet. J'ai réussi. Sid, tu es blessé? Mon premier 300 sur 1500. Ça va. Je crois. Truc bidule. C'est quoi des trucs bidules? Oh, non. Qu'est-ce que c'est? Un journal. J'en avais fait cadeau à Chadwick il y a bien longtemps. Chadwick? Je pense qu'il a dû affronter cette bête. Il s'est battu jusqu'au bout. La fillette vit grâce à lui. C'est fait. Chadwick. Bon. Il faut ramener la fillette au repère. Inutile de nous exposer plus longtemps. Non, tu as raison. Je ferai en sorte qu'elle grandisse à l'abri. C'est le moins que je puisse faire. Ouais, la démo de Pikmin 4 est disponible. Fenrir fait juste parler de ça depuis 30 minutes, je pense. Il est hype, là. Genre, sa famille l'a en otage. Genre, Nintendo a fait la famille de Fenrir en otage. Tellement qu'il trippe. De ce que j'ai cru comprendre, tu ne quittes plus la fillette. J'espère que vous allez mieux toutes les deux. Beaucoup mieux. Nous nous sommes remises. Nous l'avons sauvée, elle. C'est vrai. C'est déjà bien. Désolé de n'avoir rien pu faire pour Chadwick. Ce n'est pas la peine de t'excuser. C'est grâce à toi que je sais maintenant. J'aime bien nous. Elle. Ah non. En plus, ça me donne genre de... Oh, c'est quoi ça? Gundyr! Réduit le délai de l'utilisation de la compétence Gundyr. T'as 2 secondes, ok. Gilles va être jalouse, tu penses? Pam pam. Ah, j'ai une nouvelle chasse. Oh, Benito! Merci beaucoup pour les 100 bits! Très apprécié! Bienvenue chez Désiré. J'avais beaucoup de maux de dos et d'articulation quand je me levais le matin. Mais depuis que j'ai joué aux démos de Pikmin 4, je me sens comme un homme nouveau. Merci Nintendo pour cette solution miracle. C'était message sponsorisé. À la prochaine, Clive. Incroyable. Merci beaucoup, Benito. Augmente de 5% les dégâts infligés à un ennemi. Feu résurrecteur.
Ça doit être popé, ça. C'est trié par quoi, ça? C'est ça, hein? Ouais. 12 secondes, c'est quand même pas mal, 12 secondes. Les menus, ça te faisait un petit bruit sourd, hein, à vous. Bonne nouvelle, Viviane. J'ai trouvé ce fameux ouvrage dont tu me parlais. Et là, c'est satisfaisant. Oh, ça n'a pas dû être facile. On a pas tout lu, la maudite. Tout est trop collé, hein. Clive. Honnêtement, quand je t'ai demandé ça, ce n'était rien de plus. J'étais convaincue que les Ils ont bien failli obtenir celui... Mais après discussion, ils m'ont laissé l'emprunter pour un temps. L'un d'eux avait la langue plus pendue que les autres. Il m'a expliqué que la vérité naît du nombre de ceux qui croient en elle, même si elle est faussée. Ce serait là tout ce qu'il faut pour réécrire l'histoire. Il n'a pas tort. C'est bien pour ça qu'il ne faut pas essayer de changer le monde en se basant sur une soi-disant vérité. Car avec le temps, même les plus absolues d'entre elles finissent immanquablement par être poussées à l'extrême et gauchies par nos regards. La triste histoire des pourvoyeurs en est la preuve. Tu disais que ce livre avait fait de toi celle que tu es aujourd'hui. Son contenu a dû te marquer. La personne qui l'a écrit, surtout. Il s'agissait d'un modèle d'anticonformisme pour moi. Aux quatre coins du monde, le pouvoir en place avait prononcé sa sentence à mort. N'avoir sa place nulle part permet parfois cependant de prendre du recul et de découvrir des vérités cachées aux yeux des autres. Ce point de vue s'adopte au prix de la solitude, mais il permet d'observer à la loupe le monde auquel nous appartenons. Une bande de son. M'a convaincu de reculer d'un pas de plus, moi qui à l'époque étais déjà en marge de la société, pour mieux m'investir dans ce... Et qu'en est-il aujourd'hui? Nous observes-tu encore de l'extérieur? Bonne question. Je crois avoir perdu en discernement depuis mon arrivée au repère. Peut-être est-ce là le prix de mon récent rapprochement? Tout... Surtout lorsqu'il est aussi chaleureux que le tien. Maintenant que je fais à nouveau partie de ce monde, tu as intérêt à le protéger, Clive. En retour, je te jure de mettre tout mon intellect à ta disposition. Merci, Viviane. C'est promis. Donc, ce message sponsorisé par Fenrir, veuillez consulter un streamer près de chez vous. Avant d'acheter Pikmin 4, les résultats peuvent varier. On dirait les trucs genre Lando, là. Chapeau de Viviane. Non, mais c'est là, on est vraiment juste pour du... Là, c'est vraiment juste des quêtes. C'est juste des quêtes pour pogner des... Oh my god, il y en a d'autres qui débloquent. Oh, les petits tannants. Es-tu sérieux? Maintenant que les golds de Balmuk sont à l'abandon, les froids... Les frères créatures qui faisaient office de bourreau désormais sans maître. Quiconque ne craint pas son coup près devrait lui rendre visite, signaler. Fait que je veux que je retourne dans les Gaules. Les Gaules. Dans un hameau à l'abandon. Prenez-la en pitié. Attends une minute, ça le dit en bas. Garnacure. Ça, on sait pas c'est où. Peut-être en faisant cette chasse-là.
On va pouvoir débloquer ce que j'ai besoin. Garde la cure. Je pense que j'ai envie de finir le jeu à soir. Pleure pas. J'ai l'œil qui me pique au bout. Puis hier, j'ai nettoyé ma manette. Parce qu'elle sentait la poche de hockey. Puis là, genre, je l'ai nettoyé au Lysol. Puis là, ça me pique les mains un peu. Honte. Je me lance. Puis là, j'essaie de pas me mettre le truc qui me pique les mains, genre, dans les yeux. De pas faire le fou, là. On se bat deux fois à même place. Eh ben. Ça va bien. Moi, ça va numéro un. La manette, c'est juste la manette appuyée, genre. Je comprends pas, je me lave les mains tout le temps. Mais je suis trop des mains, genre. Je pense que c'est ça le problème. Je suis trop des mains. C'est tout? Cette cochonnerie-là? Même pas un. C'est terminé! Qui crie, man. Mais non, mes cochonneries, le truc est au deuxième étage, je devrais même pas... Aïe, 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 aïe. Ça parlait bien de cet endroit-là. C'est mal fait. Je comprends pas. Mais je vais retourner là. Ça n'a pas l'air d'être lui. Mais pourtant, il disait bien dans les gaules, dans les jaules. Il doit sûrement avoir de quoi là. Tu es prête? Plus vite! J'ai envie de finir le jeu à soir. J'ai envie d'aller voir Ultima puis on termine ça parce que genre honnêtement je trouve pas ça... Sûr que je pourrais forger l'épée ultime et tout mais... So what? Je suis sûr que je vais le défoncer. Te reposer, ma belle. Fais-tu un pool? On dirait que j'aimerais savoir votre avis. Je termine-tu? J'essaie-tu de terminer le jeu ce soir puis je m'en vais sur la quête principale? Faudrait faire un pool, oui ou non. Après, tu sais quel jeu tu veux jouer? Ouais, j'ai environ 3-4 jeux en tête.
Les détruit sans trop de difficulté, oui. Oui pour le poum. Même pas oui pour le truc, c'est oui pour le poum. Au pire, tu save avant, puis tu as vraiment le goût de faire les side quests. Voir l'histoire, tu y retournes. Ouais, c'est ça, genre. On dirait que j'ai aucune satisfaction des side quests. Genre, vraiment aucune. La seule satisfaction que j'ai, c'est vraiment de faire les chasses. C'est le seul truc que je trouve intéressant. Faut juste les trouver, les cons, là. Mais après ça, c'est le seul truc qui m'intéresse. Faut que ça choque dans ma net. Continue l'histoire. Alors, tout le monde vote oui, personne vote non. C'était-tu clair comme question? Qu'on suit l'histoire, c'est dans l'histoire principale? On est d'accord? Ça semble être unanime. Ouais. Une première. De quoi? Que tout soit... Mais non, il y a quelqu'un qui a voté non. Une personne. On va être obligé de l'écouter, le chat. Non, c'est pas vrai. C'est faux. Bon, vous savez quoi? Ça m'emmerde, genre, x10 les trucs... Ils sont secondaires. Mais je vais me faire mon morceau d'armure. Un perdu. J'ai jamais compris c'était quoi ce monument-là. En gros, quand t'es dans l'acte 3 puis le ciel s'est activé ou je sais pas trop quoi, C'est reparti pour un. En gros, quand t'as battu Odin, là, t'es actif, tu y touches puis c'est genre des challenges pour débloquer. Ce qui te ferait plaisir. Pour apprendre à mieux jouer, genre chacun des trucs d'émissaire. On prendra soin, hein. Au revoir. Regardez mon équipement, les gars. Regardez mon équipement. On était quasiment sur un perfect. Quoique cette bague-là est legit trop forte. Là. Fait maîtriser cette affaire, on s'en fout. Comme ça. Mais non, mais je l'ai remaîtrisé. Une fois. Deux fois. Coûte quasiment rien à ce qu'il laisse faire. Déjà amélioré. On s'en fout. Ça te pensait à ce que je ferais, genre la tournade? Non. Je pense que je vais regarder ce que j'ai. Là. Je suis satisfait de ça.